Bonjour et bienvenue sur la chaîne Elisa et Lilou. Je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, c'est Do It Yourself. Comme vous pouvez le voir juste ici, si Julie veut bien faire un petit zoom. Voilà, ça c'est la caisse à jouer de Lilou. C'était une petite caisse en plastique. Voilà, mais elle déborde, elle est encore par terre, il y a plein de jouets. Donc l'idée que j'ai eue, j'avais trouvé sur internet, c'était en fait... C'était en fait de faire une caisse en bois décorative pour mettre tous ces jouets. Donc je vais la chercher. Tadam ! Voilà la boîte que j'ai réalisée pour Lilou. C'est son coffre à jouets, donc beaucoup plus grande, assortie au mur qui est couleur top. Donc je vous invite à regarder la suite de la vidéo pour voir comment j'ai réalisé cette petite boîte à jouets. A de suite. Alors, le matériel pour faire votre caisse à jouets, bien sûr d'une caisse en bois, moi je l'ai pris en bois, soit vous prenez une cagette, surtout une cagette à pommes ou à pommes de terre, elles sont plus hautes. Voilà, moi je la voulais à trois niveaux pour faire un dégradé de couleur. Je l'ai cherché de partout, je la voulais bien sûr gratuite, mais je n'en ai pas trouvé. En fait, il faut aller dans les Alpes ou dans les endroits où il y a des paysans où ils peuvent, où on peut en trouver plus facilement. Donc je l'ai trouvé dans une coopérative qui s'appelle Agrifalen. Je l'ai payé 9 €. Donc il y en avait couleur naturelle ou déjà blanc. Moi je l'ai pris blanche, comme ça ça m'évite de faire la sous-couche. Comme ça c'est déjà fait, j'ai plus qu'à passer ma peinture dessus. Ensuite, bien sûr il nous faut un bac pour mettre la peinture, des pinceaux. Moi j'ai pris un dégradé de top. Donc voilà, je vous montre. Donc j'ai le brun top numéro 6, ensuite j'ai pris le numéro 5 et le numéro 4 pour faire un joli dégradé. En fait, pour pas acheter carrément un gros pot qui reviendrait trop cher pour la petite surface que j'ai à faire, à Leroy Merlin, ou je sais pas s'il y en a ailleurs, mais à Leroy Merlin, c'est là où je les ai achetés, ça coûte 2 €. En fait, ce sont des échantillons pour essayer. Voilà, si vous voulez, vous n'êtes pas sûr d'une couleur, comme là il y a 3 tops différents, vous les essayez, ça ne coûte que 2 € et au moins vous n'avez pas acheté un pot de peinture pour rien. Donc voilà, donc ça. Ensuite, une petite palette avec un petit pinceau et de la peinture noire, parce que je vais écrire dessus et puis faire des petits dessins avec, bien sûr, un crayon et puis un gobelet pour l'eau. Et bien entendu, quelque chose pour protéger votre table. Allez, c'est parti, on attaque la peinture. Alors j'ai fait la première couche, j'ai fait la première bande tout autour et en dessous, et là je vais attaquer le deuxième étage avec la couleur numéro 5, donc la couleur intermédiaire, et après je vais attaquer le dernier tour avec le foncé, le top numéro 4. Allez, c'est parti.
Voilà, je vais attaquer maintenant la troisième peinture, donc ce sera tout le haut. Et j'ai fait une partie de l'intérieur que je vais faire aussi avec cette taupe plus foncée. Allez, c'est parti. Donc voilà, je prends un crayon et je vais marquer, vous marquer ce que vous voulez sur votre caisse. Moi, j'ai décidé de marquer tout simplement « Jouer de Lilou » et de faire des petites empreintes de pattes, voilà, pour décorer tout ça. Voilà, maintenant je prends de la peinture noire et je vais repasser sur mes traits que j'avais fait au crayon préalablement. Voilà, pour repasser au noir, pour qu'on voyait bien, que ça soit bien apparent. Pour que ça fasse plus joli, que ça fasse un contraste. Donne-lui du chouchou dans la boîte. Oui, bravo, check. C'est bien, mon amour. Moi, tu me dis au revoir. Allez, mon chouchou. Bon. Elle est repartie pour la friandise. Dis-nous, bien, maman. Assis. C'est bien. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air si vous avez aimé. Un petit commentaire en dessous de la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Bye bye. Le coussin de Lilou est dans un piteux état. En fait, ce n'est pas Lilou qui avait abîmé. Je peux faire un petit zoom. Ce n'est pas Lilou qui avait abîmé ça. En fait, c'est notre lapine. Je mets la petite photo de la coupable juste ici, c'est Bianca. Donc on a décidé de lui changer, pas cher, parce que franchement, il ne ressemblait plus à rien. Et on en a trouvé un autre, voilà, un peu plus assorti à la maison, et puis tout neuf, tout beau, tout doux. On l'a acheté à Animalis, il faisait 69€ moins 20%, donc c'est pas mal. Donc voilà, un nouveau petit coussin pour Lilou. Déjà, elle avait essayé au magasin, elle avait adoré, donc voilà, c'est la petite parenthèse que je voulais faire. Non mais il y a des poils qui volent de partout, j'en peux plus. Vas-y, c'est bon, t'as filmé depuis tout à l'heure. D'accord. Petit bêtisier. Ouais, super. On reprend. On reprend. Je ne peux plus laisser lumière. Maquilleur. Bon. J'arrive. Tadam, voilà le. La caisse que j'ai réalisée pour le douillet. Non, on refait, tiens, je fais... Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tadam, voilà le... Tiens, chaud, non? Ouais. Ça se voit.